avec cette tache. On dirait que toi tu restes suite de sortout. Seulement il est noir. Et toi, salope. File les poings et bam! Allez! Je sais, moi non plus, mais personne ne peut apprendre de notre relation. Nous serions des soucis. Je t'aime. Je vais te montrer une chose. Oh, moi aussi. Je n'ai juste qu'une bouteille de te montrer. Regarde les filles. Vous savez ce que c'est? J'ai la reçu aussi, c'est un numéro en gnou. On va voir. Mon Dieu, vous allez pas les prendre en sérieux quand même. C'est sûr que c'est un gig trop chien. Non, non, bien sûr. C'est drôle. Eh bien, les filles, je vais partir. Il ne faut rien que vous pourriez partir. Au revoir. Ma mère m'a dit que je dois retourner chez moi. Je dois partir aussi. Qu'est-ce que vous s'étiez arrivé?
éléments pour Halloween? Toi? Oui, c'est très réaliste. Bon, et toi, comment ça va? En ce moment bien. Et si nous allons voir en bas? Oui, oui. Quelqu'un demande de faire la même chose que moi? Et de venir chercher un ruban rouge? Oui. Je vois pas qui peut aimer faire souffrir à quelqu'un. La personne qui fait ça, elle ne devrait pas se considérer comme telle. Bon, nous allons chercher le ruban? Oui. Tu crois que nous trouverons le ruban? Tu ne crois pas, nous l'avons caché très bien. Il pensait qu'il n'allait pas venir au cimetière. On l'a caché ou meurtre. Aucune idée. Tout est jamais rendu compte de l'immensité de ce lieu. Bien sûr que si. Mon leçon préféré est de sortir du cimetière. J'ai froid. Moi aussi, le meilleur, c'est de venir avec ça, avec. Avec ça, d'une fois pour tout et pouvoir rentrer. Qu'elle soit morte, vous ne soyez pas hypocrite. Pourquoi tu dis ça? Elle a agi très mal avec vous, mais Sophie, je ne crois qu'elle voyait voir Chloé morte. Écoute, je ne peux pas parler de ça devant Chloé. Tu as raison, va.
Bonjour Cécile, j'ai réfléchi et je ne peux pas continuer avec ça. Je vais le faire, je vais avorter. Tu es totalement sûre que tu veux le faire? Oui, totalement. Ok, et tu veux le faire quand? Le plus tôt possible. Mon père peut te dire, et il est médecin, ne t'inquiète pas, j'ai parlé avec lui. Merci beaucoup. Je ne sais ce que je ferai sans toi. Pas de soucis. Continuer avec ça. Ok, on y va.